Salut, bienvenue sur le canal de Lord Patou. Ce soir, je vais tenter une petite course sur la serre publique en Maserati GT4 contre des Porsche Cayman GT4 sur le Nürburgring Sprint, pas Sprint, GP, version GT, donc avec la chicane la plus rapide. Donc on est parti pour 8 tours et le but du jeu sera de ne pas tuer mes pneus. Et si possible, essayer de voir ce que ça vaut ce mix de GT. Est-ce que la Maserati peut tenir tête à ces Porsche Cayman? A savoir que j'ai zéro aide à la conduite sur cette bagnole, contrairement au Cayman qui a le TC et l'ABS de disponible. Ça veut pas dire que les gens devant roulent avec, hein, j'en sais rien. Alors on est sur un serveur public. Mais équipé du plugin Minorating, donc a priori avec des gens qui ont à peu près l'habitude d'être propres en course. Bon, peut-être pas tant que ça, parce que je vois que ça quitte déjà. Bon, bah pour l'instant ça se tient avec les Porsche, même si devant ça commence à déjà créer l'écart. Petit blocage à l'arrière là, il me semble. J'essaie de régler la balance de freinage un peu plus sur l'arrière pour éviter de bloquer la roue avant à ce freinage qui va venir là, qui me fait très peur. C'est pas le freinage qui me fait peur, hein, c'est de cramer ma roue avant droite qui bloque régulièrement. On a bien vu que le Cayman derrière était étonné de mon freinage tôt. Là aussi j'ai fait un petit blocage de l'avant gauche. Sur 8 tours ça peut vite être trop pétant quand le volant vibre dans tous les sens, les freinages sont tout pourris. En général on ne fait qu'empirer la situation et limite on est presque obligé d'abandonner. Je me souviens un peu là-dessus. Alors la mise de gaz elle est assez saine on va dire. On reste à freiner là. Voilà, j'ai déjà le pneu avant droit jaune. Ça va être compliqué pour le reste de la course.
Là, honnêtement, j'aurais bien la baisse juste sur cette roue-là. Bon, j'arrive pas à les rattraper devant, elles sont trop rapides pour moi. Là, je fais pas des lignes parfaites non plus. Derrière, je sais pas ce que ça donne. À peine 2 secondes d'avance. Faut espérer la faute. Parce qu'à la régulière, il n'y a aucun moyen que je les rattrape. J'ai l'impression que ça revient plus tôt même derrière. Les prochains tours vont être... Je suis trop tôt sur le frein. Là. Je peux freiner plus tard. Derrière. Est-ce que si je prends la ligne complètement à gauche là, sur le freinage, ça passe mieux? Oh là là, je me souviens. Catastrophe. Il y a une bonne motricité, faut que j'en profite, mais je suis quand même un peu dans la mouise. Oh là, blocage des roues arrière, c'était pas prévu du tout ça. Putain. Ah, je sais pas si c'est... Bon, bah voilà. Maintenant le but sera de finir première Maserati. Peut-être essayer de grignoter quelques places, mais j'ai pas trop compris ce blocage de roue là. Allez, c'est aucune chance. En pleine, c'est la course. Oula. Je suis rentré un peu fort là. Le propriétaire de la voiture n'a peut-être pas aimé. C'est pas facile de moduler le freinage avec cette pédale de G27. Je me demande si le blocage de roue c'est pas au rétrogradage de tout à l'heure.
Et plus ça va aller, plus je vais bloquer à l'avant-droit, plus ça va être compliqué, et plus je vais bloquer. Le cercle vicieux est enclenché. On va essayer de profiter de la gare devant pour se rapprocher. Voilà, deux places, merci. Pas de raison pour faire n'importe quoi. Bon, je rattrape le top 5 et je fais mon meilleur tour en piste. J'ai l'impression de chatouiller le frein et de bloquer sa mère. Bon, je comprends un peu la route délestée. Elle bloque plus facilement, mais. Ah, c'est vraiment quand je passe la seconde. Je sais pas que je pensais qu'il y avait un truc pour empêcher ça, mais. A priori, il n'y a pas. Donc, faut faire attention aussi à ça. Sur ma place de première Maserati en jeu là. Tant pis, j'en vais sur l'avant parce que je me fais trop de frayeur là. Je fais vraiment n'importe quoi. Bon, oublie la place. Bon, c'était du grand nap. Bon allez, on se remobilise là. Ça va pas traîner comme ça. Y a pas idée de faire des choses pareilles. Il freine vraiment tôt. C'est assez marrant ça.
Ça va faire mal dans la chicane. Non, ça va, il était cool le gars. Allez, mais pied de plomb sur la pédale d'accélérateur, n'importe quoi. Allez, c'est parti. On prend la spi. Je suis à l'intérieur normalement là. On va pas pouvoir passer. Et il spin. Bon, est-ce qu'on peut avoir cette dernière gueule? Je suis des temps tout naze. Mais... loin, faut vraiment qu'il déconne, sinon je le rattraperai pas. Ouais, c'est toujours qui joue là, qui joue Parkinson, c'est une horreur. Là ça va encore. Ah, j'étais un poil trop gourmand. Les temps autour se sont écroulés quand même. Voilà, voilà. Bon, sixième. Je crois que j'avais commencé quatrième, donc c'est pas une très bonne perf. Mais bon. Moralité, la GT4 est beaucoup plus facile à conduire. Allez, ciao, bye, bisous.